Brunet prend le disque, travaille devant Bourque. Brunet va au filet contre. Frédéric Brunet d'un tir de la ligne bleue qui avait des yeux ouvre la marque pour l'Océanique. C'est 1-0 les visitants. Et vous savez, le coup de patin pour un défenseur, c'est généralement sa plus belle qualité avec la lecture de jeu. Et ici, Frédéric Brunet un peu... Et du côté de Gaudio, on était à 4 attaquants chez l'Armada avec Xavier Filion. Filion son tir, c'est bloqué par Gravel. Il est sur sa jambière. A failli se faire surprendre par le vétéran. C'est un excellent lancé de Xavier Filion un peu bas. La Bigger va la reprendre. Il pousse pour lui-même. Bigger s'amène avec Fauchon sur sa gauche. Fauchon, Sarrazin est contre! Encore une fois, le duo Fauchon-Sarrazin unit leurs efforts. Sénégalité 1-1. Mais soyons honnêtes, que s'est-il passé avec la gardienne de but Amerla qui a perdu pied? Alors c'est un bon jeu qui a été intercepté en zone neutre. Le Maltais à Brunet. Brunet longe la ligne bleue à Maltais sur sa droite qui a pénalité à l'Armada. Tire de la tête contre Simon Maltais. C'est 2-1 l'Océanique et ce but-là, ils l'ont mérité. Il y avait une pénalité à retardement sur un geste à l'endroit de Maxime Coursol. C'était Braden Schmidt qui... Incapé d'un peu d'indiscipline devant sa cage au départ de Maxime Coursol, alors qu'on va le revoir un peu l'indiscipline de Braden Schmidt et ça c'était pas nécessaire et ça Coursol. Spreiner à Coursol entre couloir droit, belle passe et compte. Encore une fois, c'est Frédéric Brunet qui complète cette merveilleuse passe de Coursol et c'est 3-1 l'Océanique. Et là. Maxime Coursol a mis la table et pas à peu près sur ce but de Frédéric Brunet qui avait flairé l'occasion d'appuyer l'attaque et ce profond. Mais regardez cette passe de Maxime. Le numéro 13, Maxime Coursol. Et le numéro 26, Yann Spreiner. À 7 minutes 26 secondes. Brunet, son sixième de la saison. Sur des aides de Coursol et Spreiner. À 7 et 26. Et comme ça l'a été le cas hier, pendant l'annonce d'un but de l'Armada, cette fois, c'est l'Océanique qui a marqué un quatrième. Le tir de William Dublin est passé à travers le gardien but Gravel et c'est 4-1 les visiteurs. Il y a deux buts. Oui, Spreiner à Brunet. Il a ensuite à Blais, transversal et contre. Quelle magnifique séquence orchestrée par les cinq joueurs de l'Océanique. Et c'est le vétéran Filion qui complète. C'est 5-1. Et la passe d'Alexandre Blais là-dessus, c'était une passe avec un niveau de difficulté extrêmement élevé. Et vous allez revoir avec la reprise, la rondelle qui bouge encore une fois super bien avec... Jacques prend le disque, la soutire à Saint-Michel. Jacques s'échappe, l'arrêt de Gravel. Et encore une fois, Gravel, il n'a pas défié plus qu'il faut le tir de Jacques, même si l'arrêt a été... Entre, il se fait frapper par Gauthier, ça amène à ce revirement. Filion vers Gauthier. Et compte entre les jambières de Charles-Édouard Gravel. Et c'est 6-1. Ce sera la fin pour Charles-Édouard Gravel qui sera remplacé par Nicolas Sheehan. Il le faut. Spreiner, là, Fauchon va faire la même chose. Fauchon permet à Schmidt ensuite de rejoindre. Denis, retour pour Schmidt. L'arrêt d'Amerla. Fauchon, le tir célèbre pour Sarrazin. Amerla, là, qui... Il joue un peu de chance. Il a de l'aide de ses coéquipiers, mais l'Armada, quand même, qui... On décoche, je vous en ferai part. Là, c'est poussé vers Fauchon. Ça mène à 2-1 avec Denis. Fauchon à Denis. L'arrêt d'Amerla. Belle passe de Fauchon qui a réussi à rejoindre son vétéran, Michael Denis. Là, Dumoulin pousse pour lui-même derrière Denis. Là, Dumoulin pousse pour lui-même derrière Cardinal. Dumoulin, il est seul. Le tir de l'arrêt de Sheehan, qui l'avait bien défié. Oui, effectivement. C'est vraiment un match des plus difficiles pour le vétéran. Rentre en territoire de Rimouski. Dans l'avenue de coéquipier, rejoint Fontaine. Fontaine, son tir. Et compte! Je pense que c'est le premier but en carrière pour Léon Saint-Michel. Du moins, c'est Fontaine ou Saint-Michel. Ça semble être lui. Et le voilà son premier en carrière. C'est 6-2. Et un premier point pour Jérémy Fontaine dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. C'est à peu près certain de ça. Pour seul. Ça l'amène devant Larose. Belle manœuvre de Coursol. Envoie dans l'enclave. Ensuite, c'est complet. Bel arrêt de Chion. Ouais. Malgré le tir raté par. C'était Filion ou Dumoulin, là, un des deux qui était devant le filet. C'était une attaque qui a été bien.